On dirait que maintenant que la préhésité et que Flash du chic, peut-être que je me trompe. Game 1 sur Battlefield. Si je me trompe pas, rendu là c'est Best of 5. Ok. Ce match-up-là, l'autre mid-level est considéré favored pour Sheik. Dans le fond, Sheik a gagné plus hard facilement. Mais à un high level, dans le fond, Mark Tito il peut gagner Sheik hard. C'est juste que c'est plus difficile à exécuter que des combos basiques de Sheik, on peut dire. Ce qui fait en sorte qu'un plus haut niveau, Mark, ça devient un match-up plus even en fait. Dans le fond, Mark est supposé out-maneuver, Sheik est supposé meilleur d'agence, du down-tilt, du grab. Mais à un niveau local comme ici, je pense que c'est plus difficile que sur papier. À date, on voit la trend. Ça prend pas grand-chose, puis là, ça va en catastrophe pour Mark. Ok, on déjà. Je pense qu'il va give up. Oui, dans un petit peu. Est-ce que c'est dans le vide? Ouais. Donc, Melaf, qui est un joueur que je considérais à ses pieds, qui est un. Qui est quand même solide. Il, dans le fond, ça fait longtemps qu'il joue, il y a du bon spacing, il y a du game sense. Mais un des défauts qu'il y a, c'est dès qu'il y a quelque chose qui va le frustrer, par exemple, je vais contre un parkour qui les yeux beaucoup, il va se faire gameplay. Enfin, peu importe, il va y arriver quelque chose d'un peu unfortunate, lui, il va être. Va être un peu choqué ou fâché, peu importe. Puis, comme là, j'imagine qu'il était très frustré par le match-up Marchi qui s'est fait ouvrir, décider de switcher à Fox. Fox est un meilleur match-up contre Sheik, mais la question c'est est-ce que Melaf Fox on practice ça le fait mieux. On va voir. J'ai pris la première stock tout de même. Son edge guard, oui, middle, avec un fair, donc on est juste ouvert. Le edge guard de la part de Fast Killer. On se commence. Oh, nice combos. Et voilà. Un bon combo, bien complet, avec un début et une fin. Donc le but en début du stock de Sheik, c'est de sortir Fox Crush and Silverson, ce qui est fait. Donc là, il peut faire des dash attacks, des tilts, toutes ces belles choses-là. Et voilà. Deux stocks à deux stocks. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On est-tu une histoire de homestock qui se sont fait un fist bump? Oh, le flub. Malheureux. Ok. C'est un best of 5. Qu'est-ce qu'on va faire? 35, 45, 50, pas plus de chess. Nice. C'était pas nécessaire de se faire se farer dans le blason avec l'adversaire, mais bon. Et...
là. Deux dash attack, un up tilt. Pour Flaz, il ambitionne un petit peu. Oh shit! Donc, on avait Melaf à 0 qui tenait le ledge, puis il s'est crissé dans le vide. Ça, c'est pas bon signe. Comme on parlait tantôt. Ok, jump needle, ouais, c'est sûr. Ouais. Okay, on a eu deux games très one-sided, puis une game juste avant. En fait, game 1 et 3 étaient très one-sided en faveur de Flies. Mais tout de même, c'est 2-1. On a Melaf qui va switcher à Mario, qui est son old school main. Mario surprenant, même si c'est un. On devient low tier. Quand même, il est bon pour le voir contre Shake, il a un bon down throw. Peut-être qu'il y a aussi juste le confort, ça va l'aider. Au lieu de jouer des top tiers qui pratiquent moins. Jab pressure sur le shield, on a lu la roll, puis on a punish. Hidden game, transformation. Nice. Donc, cette seconde, on a déjà bon travail de Laurent pour le Warlock Melaf avec Upper Tilt. Juste le garder un peu en général avec des meilleurs headbox qu'il joue un meilleur bottom que lui. Edge guard situation, est-ce qu'on en fait quelque chose? Ça devrait faire, non? Le choke. Fly, j'imagine qu'il serait content d'enlever le crash cancel à Mario avant que ça stock. Chose qui est presque faite. Il va manquer peut-être une dizaine de pourcents. On voit des short up fade away fair la part de Sheik. C'est relativement safe. Et voilà le down throw followers de Mario dont on parlait. Ça arrête après seulement 2 par exemple. Ça va en prendre plus que ça. Oh! Leaders, et voilà. Ledge guard solution. Un beau fire there, c'est bien cool, mais ça n'a pas eu de résultat désiré malheureusement. Mario, si ça la stock. Et voilà, even game. Est-ce que Melaf va ramener ça avec le Mario? Ou est-ce que ça va être un autre point? C'est vraiment un plaisir de se parler dans ce match. Non. Et Nooch? Non, pas Nooch. Bon jab, c'est que Melaf hold in pour revenir au center stage et en profite pour faire des moves comme jab.
contre Joker, non? Tu as contre Chase Baker. Est-ce qu'on va avoir Ledge Guard? Non? Spaghetti, tout le monde bat du cœur, qui va gagner? Nooch? Est-ce qu'on va avoir Ledge Guard, Gabbage, Gaji, Pouf? Non? Black Tunchal? Est-ce qu'on peut faire un follow-up dessus? Non? Et le grand tirage. Donc à la fin, ça. Swingait pas mal à chaque bord. Okay, c'est 2-2. Okay, ça va être le game 5 sur le counter pick de Flies. Ça va être Meraz va choisir son personnage en premier. Est-ce qu'il va rester Mario? T'as updaté les scores? Ouais, j'update les scores pis tout. Est-ce que Malaf a gagné une game sans Mario? Il a tout le temps. Il a gagné une game avec Mario, puis il a gagné une autre game avec Fox, mais c'était super messy. Il y a eu un des deux qui s'est suicidé sans faire exprès, l'autre de Omistock. Puis je sais pas, à la fin, il y a un qui. Je sais pas si Epic est pas venu ici. Il a dit si l'avant qu'il allait venir. Je sais pas. T'es-tu beau? Nice burner pressure à Naz. Pogné dans son chou. Moi, c'est pas tempé à cause. Le punish game de Mario est fort là. Dump comme throw. À Smash 4, hein, c'est ça. Dump throw up tilt. Oh! Wow, c'est gars, il n'a pas grand chose. Il est supposé faire des air wobbles. Ouais, mais je sais pas, c'est quoi le pressant aussi, un down throw chain grab. Ouais. Il doit pas l'infini, il doit pas tester contre ça. Et je pense que tu peux DIR facilement. Ça te sort vite sans faire exprès. Force Mush, quand même. Je sais pas, il fait pas des Force Mush. Ça fait des early stocks, ça. Ouais, c'est un peu la seule façon de faire ça. C'est pas mal one-sided à la base. Ben, tu sais, c'est pas dans la stock là, il faut faire de quoi. Tu sais, ça, c'est du big percent. Ouais, si on laisse son crush, c'est ça dans le bourreau. Il a fallu qu'il hit une fois et qu'il s'est ici, mais là, il a mangé deux hits. Ah, oh, il y en a bien navigué autour des chaillères avec son down tilt. C'est F tilt, ça aurait peut-être ouais, pas un check. Ouais. C'est un petit dans les beaux gardes, ça. Ouais, il fait souvent les beaux gardes, ça. Ouais, comme c'est tiré pas mal. Ah, oh, j'imagine qu'il fait ça parce que Mario. Qu'est-ce qu'il fait par là? Comme ça. Ça va être le temps de se mettre est-ce que des gens qui veulent pas participer à la Road Dragon? On a juste 3-2 pour Flies. Flies, parce qu'on sait qu'on Big Daddy, Fugu, Final Boss. Flies contre Fugu en semi-finale, un best of 5. Aujourd'hui, c'est vrai que je joue Mark, si je me trompe pas, mais j'imagine que je peux switcher.